Bonjour à tous et à toutes, c'est Dark Vador. Ben voilà, je suis face à Spiritomb Shiny, au bout de 10 064 isotes. Donc je faisais du double. Donc là c'est ma version, sur ma version diamant. Et sur l'autre DS qui est ici, là voilà, que je viens de passer devant l'écran, c'était la version perle. Donc, pourquoi j'ai fait Spiritomb Shiny? Alors, de 1, parce que le duo Motisma Spiritomb est très important pour moi. C'est-à-dire, si je pouvais pas avoir Motisma Shiny sans avoir Spiritomb Shiny, c'était pas possible. Pourquoi j'ai fait du double? Parce que j'avais vraiment pas envie de faire du simple, parce que j'aime beaucoup Spiritomb Shiny. À la sortie de DP, c'est vraiment un Pokémon que je voulais particulièrement. Mais vraiment particulièrement, parce que je le trouvais très très beau. Parce que Spiritomb, voilà, il apparaît dans un puits. Donc déjà, ça me fait penser à des films asiatiques. Film fantastique asiatique, film d'horreur asiatique, genre The Ring, par exemple, ou Darkwater. Ça me fait penser un peu à ça, voilà. Son visage, son expression me fait penser un petit peu à certains visages de méchants dans des BD. Hein, par exemple, dans les comics de Batman, par exemple, le visage du Joker. Donc d'ailleurs, c'est une femelle. Mais si c'était un mâle, je le rappelais le Joker. Voilà, comme dans Batman. Donc on va commencer la capture. Attendez, on vient de voir ma main. C'est pas grave, je mets le son. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a un élector. Donc j'ai une petite pensée à Excel. Bon, l'élector est normal. Donc on va paralyser le Spiritomb. Alors, je suis avec Excel. Je la ferai intervenir à la fin de la vidéo quand le Pokémon sera capturé vers le caractère. Juste après la capture. Donc première boule. Voilà. Ok, tu es là. Donc c'est bien, c'est cool. Alors, je vais lancer une Luxe Ball. Parce que je le veux dans une Luxe Ball. Ah, Arthur sera content. Petite pensée Arthur. Bonne chance pour Gobu. J'ai une pensée à toi. Donc, Spiritomb sort. Les étoiles de Spiritomb, oh my god. Ah, putain, il est vraiment très très beau ce Pokémon. Hein. Franchement, quand j'ai vu arriver, j'ai un... Il est tellement différent du normal. Il est même pas sorti de l'écran que j'ai vu qu'il était shiny, quoi. Alors je paralyse juste parce que c'est Dark Vador, hein. Forcément c'est une capture à l'arrache, hein. C'est normal là. Alors normalement il rentre, hein. il va pas tarder à rentrer. Les tests de capture ont toujours été concluants, ça dépassait jamais les 10 balles. Là je pense que ça a l'air mal parti quand même. Il ne rentre pas, j'ai pas beaucoup de basilement. Bon, un lecteur dort, mais ça on s'en fout. Alors, est-ce que là il va rentrer? Alors, allez, rentre ma cocotte. Alors, je lui donnerai pas un surnom parce que j'ai pas son surnom. Donc, plus tard. Et voilà, Spiritomb Shiny est capturé. Ça a été très rapide. Alors, malheureusement, on n'aura pas le Dex parce que, voilà... Ça veut dire que je complète mon Pokédex. Alors, on va aller directement voir le Pokémon. Il est sur moi. À 62 PV. Je vais couper le son de la vidéo. Et je vais laisser Excel dire un petit mot. Bah, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire déjà bravo parce que voilà, bravo déjà pour un shiny. Et Spiritomb, franchement, c'est une tuerie, j'ai envie de dire. Il a des couleurs, mais vraiment sublimissimes. Ça doit être impressionnant de le voir arriver, franchement. Et ben voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, malheureusement. Mais bravo, franchement bravo. Alors, le caractère. Caractère? Ouais, vas-y, dis un truc. Je vais dire pressé. D'accord. Moi, j'ai dit modeste. Il est timide. Bon, voilà, donc c'est pas... Je pense pas que c'est mauvais pour Spiritomb. Je pense que même c'est plutôt pas mal. Donc merci Excel, je vais remettre le son et puis ben, merci pour tes félicitations. Voilà. De rien. Voilà. Hop, donc je remets le son. Alors, voilà. Donc... Attends, je fais des conneries là, faut que je le mette en premier.
Alors, voyez ma main, c'est pas grave. Alors. Hop. Voilà. Tac. T'inquiète pas, Excel. T'inquiète pas, c'était très bien ce que t'as dit. Hop, alors, bah, oui, je sais, oui, je suis une 9 tower là, mais c'est pas grave, hein, c'est celui qui tombe Shiny, quoi. Alors, le premier Pokémon, on va voir les étoiles de doux, quoi. Castorno, oh my god, normal, heureusement. Oh la vache, j'ai trop beau de dos. Aïe, 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 aïe. Bon, sur ce... Bon, moi, je vais souhaiter bonne chance à Excel pour ses futures recherches. Bonne chance à Chasseur d'étoiles pour son gobou. Voilà, il est tombé sur son cinquième Medaillana incapturable hier. Voilà, ça doit être très chiant, très dur. Enfin, pour lui, non, parce que Medaillana, il le déteste, mais quand même, on s'en fout. Bonne chance à Sida pour son petit Gricky. Voilà. Bonne chance à Blue Chat pour ses futures recherches, à Misty Falco pour ses futures recherches aussi, à Armand pour sa recherche qu'il est en, actuellement en train d'effectuer, à Nakti pour Moustillon, puis est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Non, je ne crois pas. Et puis bah à tout le monde, hein, bonne chance à tout le monde pour vos recherches. Moi, je vous fais des gros bisous. À plus pour un autre Shiny. Et voilà, allez, on se quitte sur ces